Alors c'est vrai que c'est plus de 40 jours de confinement, là, ça a créé des choses dans la tête de beaucoup de gens. On s'est tous posé des questions existentielles, pourquoi tout ça, à quoi ça sert, quel est le but, ma vie rime-t-elle à quelque chose, est-ce qu'elle sert à quelque chose? C'est pour ça que personnellement, moi j'ai décidé de changer de vie dès le 11 mai prochain, dès le déconfinement. J'arrête mon job, je laisse tout tomber et je me lance, je me mets à mon compte en tant qu'artisan, artisan narcotrafiquant. Je vais vendre de la cocaïne dans le monde entier, je vais devenir un des plus grands narcotrafiquants du monde. C'est décidé, hein, parce que il y a longtemps que j'avais ça en moi, j'avais envie, mais j'avais pas encore vraiment bien situé mes envies. Et là, ça y est, je sais. Du coup, j'ai d'ailleurs investi. Hein. J'ai investi dans un chapeau, des lunettes et un cigare. Bon, c'est qu'un début. Hein. J'ai mis les quelques argent que j'avais. Et mais bon, pour la suite, je vais monter ma société. Je vais voir bientôt, parce que j'ai rendez-vous à la banque la semaine prochaine pour un crédit, donc voilà, c'est décidé. Je m'appelle plus Eric Bernard, hein, c'est Erico Bernardo. Et d'ailleurs, je vais vous parler comme ça maintenant, j'ai décidé de faire un accent, je sais pas ce que c'est que l'accent, mais ça donne le côté plus Mexico, Colombia, voilà, hein. Ah bah ouais, mais faut savoir évoluer, quoi, dans la vie. À moins que je reprenne mon boulot, tout simplement, et qu'ailleurs de truites à Meudon-la-Forêt. J'hésite.